استاذ فلسفة وعلم النفس منذ أكثر من 30 عاما، حمل طلابه في روحه وضميره وحملوه هم في قلوبه، باحث في شؤون الأمة السريانية، قام مؤخرا بإنجاز عمل ضخم نفض فيه الغبار عن حقبة مشرفة من تاريخ هذه الأمة العريقة، مبرزا دوره الحضاري فيما أنتجته من علوم وقيم حملت الشعوب كافة على الإقرار بفضلها. يجيد لغات عدة منها السريانية، نستمع إليه اليوم في حديث بالإفرنسية بعنوان Les Syriaques porteurs de la pensée grecque au monde. Les quelques minutes dont je dispose suffisent à peine à brosser un tableau assez complet de cette grosse opération qu'est le rôle des Syriaques dans la transmission de la philosophie grecque au monde. J'espère, par ce mot, pouvoir rendre à ce grand peuple le minimum du respect qui lui est dû. La Mésopotamie, berceau d'une brillante civilisation, entre les monts neigeux de l'Arménie, de l'Iran et du désert d'Arabie, deux fleuves ont creusé un vaste couloir, la Mésopotamie. Dans cette grande région privilégiée, une civilisation particulièrement riche, originale et variée ira se développant jusqu'à régner pendant plus de 3000 ans. C'est dans ce cadre géographique bien original que les Syriaques furent appelés à porter au monde une civilisation des plus riches, des plus variées et à réussir une des plus grosses opérations culturelles jamais vues. Les Syriaques, qui sont-ils? L'histoire du peuple syriaque remonte au XVIe siècle avant Jésus. Jusqu'au Ve siècle avant Jésus, ils furent appelés Araméens, puis après Syriaques. Syriaque provient, semble-t-il, de Soros, un conquérant d'origine araméenne qui étendit son pouvoir sur la Syrie et la Mésopotamie. De là le nom de